Salut à toutes et à tous, c'est BoxDiger et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme t'as pu voir dans le titre, on va parler de la PS5. Alors PlayStation nous ont enfin annoncé les prix il y a une semaine de ça. Donc il y aura bel et bien deux versions de PlayStation. Il y aura la version digitale et la version avec CD. Pour ma part, j'ai précommandé celle avec le CD parce que voilà, je suis quand même un collectionneur entre guillemets. J'aime bien avoir les boîtes des CD. Avec cette Play, tu peux également prendre des accessoires. Tu peux te procurer le casque PlayStation qui coûte très cher, je crois, il y a 100 balles. La caméra pour pouvoir stream directement depuis ta PS5. A mon avis, il y a des jeux aussi compatibles avec la caméra. Mais moi, mon but avec cette caméra, c'est de vous faire des streams. Qui coûte 59€, il me semble. Ensuite, tu peux également acheter la télécommande. Je sais pas du tout elle sert à quoi. C'est une télécommande de télé, on dirait. Qui coûte également 59€, je pense. Ah non, 29€. Et ensuite, si tu veux acheter une deuxième manette de Play, ça sera 69€, donc 10€ plus cher que les DualShock 4. Pour tout ce qui est accessoires et Play, bah, je trouve qu'en fait, ils ont été plutôt sympathiques. Mis à part pour les jeux, parce que voilà, maintenant, c'est 80€ un jeu. Et je veux dire, 10€ en plus pour la manette, bon, je trouve ça logique, parce que voilà, les manettes sont améliorées, donc c'est normal que ça coûte plus cher. La Play, bah, elle est au même prix que la PS3 quand elle est sortie, limite. Donc les prix dans l'ensemble sont assez attractifs. C'est sûr, celui qui va acheter tous les accessoires, on va dire c'est un riche. Pour ma part, moi, en accessoires, je vais juste prendre la caméra et peut-être une manette supplémentaire. Du coup, je vous ai dit que j'ai précommandé la PS5, sauf que le jour où j'y étais, le mec m'a bien dit de se dépêcher en fait. Parce que j'étais déjà à la vague 2. La vague 2, ça correspond à quoi? Il y a eu plusieurs vagues. En gros, c'est des vagues de vente. La première vague, quand j'y étais, elle était déjà terminée. Donc, en gros, la première vague, ça veut dire le 19 novembre, le jour de la sortie de la Play, tu auras ta Play. Le mec de Micromania m'a quand même dit que je l'aurai avant Noël. Pour fin novembre, début décembre, il m'a dit normalement. Par contre, il m'a parlé de la vague 3. Il m'a dit que je les aurai en février-mars. Donc, force à tous ceux qui font partie de la troisième vague. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, tu fais partie de quelle vague si tu l'as précommandé. Bref, maintenant, parlons de l'avenir de ma chaîne YouTube. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus beaucoup d'idées de vidéos. Et ça, je m'en excuse vraiment parce que du coup, je suis moins actif. En attendant, pour pas me perdre de vue, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. On est bientôt 130 000 abonnés. Merci également à tous ceux qui viennent de TikTok sur mes vidéos YouTube. Ça fait vraiment plaisir. Force à vous. Avec la PS5, j'aimerais déjà vous faire des streams comme je faisais sur PS4. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quel jeu vous voulez que je fasse des streams quand j'aurai la Play. J'ai déjà quelques idées. À part, je pense que je vais prendre le jeu Spider-Man parce qu'il est vraiment lourd. Et par la suite, je prendrai le jeu Harry Potter. Donc à mon avis, je vous ferai des vidéos dessus et des streams. GTA 5, ils ont dit qu'il allait être sur PS5, mais pour l'instant... Dans le trailer de la PS5, ils n'ont pas parlé de GTA. Ils n'ont pas non plus dit que le jeu y allait se vendre à la sortie de la Play. Donc, je sais pas du tout si on pourra l'acheter en CD ou bien dans le PlayStation Store. À mon avis, ça sera peut-être plus le PlayStation Store. En tout cas, je suis impatient que GTA 6 sorte, même si à mon avis, il va sortir plus en 2021-2022. Je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit like. N'oublie pas le commentaire qui référence. Surtout, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche. Moi, je te dis à la prochaine. Peace. Abonne-toi, abonne-toi. Lâche à liker, abonne-toi. Commente, partage, like et abonne, abonne-toi. T'as passé un bête de moment dans la vidéo. Lâche un like et abonne-toi. Commente, 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 abonne-toi. Yeah.